Ses corps ont été jetés comme des sacs de presse. Parce que jusqu'à 3 jours après, on n'avait pas travaillé sur les corps. Déjà après 3 jours, les corps étaient en décomposition. Jusqu'aujourd'hui, cette morgue n'a pas la capacité d'accueil de plus de 30 corps. Or, on en a plus de 40. Les corps ne sont pas dans une chambre froide, Monsieur le Président. Ils sont en décomposition, en état de putréfaction tel que les parents des victimes n'ont reconnu les leurs que par les habits. Nous voudrions appeler à l'humanisme. Ces familles ne savent pas vaquer à leurs occupations parce que en Afrique, comme on le dit, on ne sait pas aller travailler alors que le corps de son frère est encore par terre, comme on aime le dire. Donc, ils sont quelque peu limités dans leurs activités de tous les jours. Ils ne savent pas aller au champ. Ils ne savent pas aller au travail. Il y en a qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent pas retourner à leur lieu de service parce qu'on n'a pas encore enterré. Oui, il y a question de preuve. C'est une évidence que la garde républicaine a tiré dans des corps en vie qui se sont retrouvés plus tard sans vie. C'est une évidence que la garde républicaine était sur place. C'est une évidence qu'il y a eu 42 morts sur place, 43 sur place. C'est une évidence que ces tirs sont venus de ces armes qui coûtent extrêmement cher. Par-delà tout, nous sommes en matière pénale et en matière pénale, la preuve est libre. Ce carnage-là peut être prouvé même par ce stylo. Il suffit d'emporter la conviction du juge. Or, il y a plusieurs éléments, notamment les vidéos que vous n'avez pas encore visualisées, que nous avons visualisées, où nous voyons la garde républicaine tirer. Le confrère vous disait qu'il y a même un qui a ramené une victime qui s'était sauvée. Il était cagoulé, mais tellement qu'il était sûr de lui-même, il s'est mis à nu. Son visage est visiblement visible et il n'est pas dans le box des accusés. Donc, les moyens de preuve pour étayer que tel est mort par balle sont nombreux. Si j'étais moi, avocat de la défense, je me tairais. Je me tairais et je capitaliserais cette demande. Au moment opportun, je dirais, ces gens-là ne sont jamais morts de balle parce que nos clients n'ont jamais tiré sur eux. Qu'on les enterre, à les entendre, ça devrait être un plus parmi les moyens de défense. Aujourd'hui, nous sommes au 13e ou 14e jour. Ils ne sont pas au froid. Ils sont pêle-mêle dans un box. Si on doit attendre la fin de ce procès ou le moment où votre cour aura procédé à une quelconque autopsie ou à autre examen, ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas. Ce procès, on y est peut-être pour plus de 3-4 mois. Et pendant tout ce temps, ces corps seront là. Le ministère public a parlé d'une question sanitaire. C'est pour les vivants autour. Mais nous, qui avons perdu les nôtres, quand nous dormons, nous savons que notre frère est en train de pourrir quelque part. Hier, vous n'avez vu personne, la salle était presque vide. Parce qu'il y a eu la première visite après le 30.
des corps. La plupart des victimes ont découvert les leurs. Ils n'ont pas pu tenir sur leurs deux pieds. Ils sont rentrés. Et la défense voudrait que ce calvaire perdure. Monsieur le Premier Président, sous réserve de ce que les confrères peuvent ajouter, nous voudrions demander à la Cour d'accéder à la requête du ministère public. Si acte ou devoir peut être posé sur ces corps sans vie, nous pouvons demander à la Cour d'effectuer une descente dès demain, parce que c'est tout de suite après ce mur, pour poser je ne sais pas moi quel acte relativement à la demande de la défense, parce que nous sommes d'accord que la vérité doit être rendue au finish. Si c'est excessivement nécessaire, on peut faire deux pas demain à côté. Les photos peuvent être prises sur ordre de la Cour. Elles pourront être conservées. Un médecin peut être requis. On est en matière de flagrance, tel qu'on peut requérir même le médecin sur place. Ils peuvent poser des actes sur des corps vraiment en décomposition et obtenir ce qu'on peut obtenir, mais obtenir aussi à ce qu'ils soient enterrés, mis en terre. C'est le dernier hommage qu'on puisse faire à une personne qui a vécu. La Cour vous remercie. Est-ce que vous voulez faire prolonger les débats autour... Mais vous-même exposez que plus le temps passe, plus le corps s'expose. Et donc, abrégeons les débats. La Cour a entendu. Nous avons une autre demande en plus de celle... Oui. L'organe de la loi venait de déposer. Lié à la requête. Oui. En attendant, monsieur le tuteur supérieur, verser les pièces liées à toutes ces allégations. Pour que la Cour puisse verser les pièces. Monsieur le Premier Président, il est certes vrai que la culpabilité des prévenus n'est pas encore établi et donc... Au fond, oui. Réagissez sur donc, cette je requête. Je suis sur là. Je suis oui. Seulement sur la requête. Merci. Et donc, la... Vous avez été tué du fait des prévenus ou non. Il s'agit bien des corps qui doivent être enterrés. C'est là que je suis. Et donc, la responsabilité civile de l'État n'aurait pas dû être engagée à ce moment. Mais nous estimons, Monsieur le Premier Président, qu'au vu des circonstances, des lieux et des temps, de cette urgence sanitaire qui a lieu à titre provisionnel, que la Cour ordonne à la République de prendre totalement en charge tous les frais liés à l'inhumation. Je vous réponds tout de suite, ce serait préjugé. À titre provisionnel, c'est de droit, Monsieur le Premier Président. Vous n'aurez pas énervé les règles de droit en statuant par provision. Par provision. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Premier Président? Nous estimons que pour tout ce que nous avons déjà connu, il est une évidence que des hommes en armes ont donné la mort aux nôtres. Ces hommes en armes, qu'ils soient de la garde républicaine ou d'une autre unité de l'armée, c'est des hommes en armes au service de la République. Et que donc, pour ce qui nous concerne, nous victimes, Monsieur le Premier Président, s'il faille que nous prenions encore en charge les frais d'inhumation, ce sera comme... nous victimiser davantage. Autant que conserver encore nos corps dans un endroit communément appelé morgue, mais qui n'est morgue que des noms, là aussi, ça aura été nous victimiser davantage. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président,
nous étions en train de dire qu'au vu des circonstances, il y a lieu qu'à titre de provision, vous puissiez condamner dans votre décision avant dire droit la République à prendre en charge les frais d'inhumation. Aussi, c'est l'occasion de le dire, si aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, l'organe de la loi vous demande, et nous appuyons cette demande, que vous puissiez ordonner l'inhumation, c'est tout simplement parce que l'État congolais est très défaillant. Si la morgue avait été... J'ai dit alors, Monsieur le Premier Président. On va le verser, Monsieur le Premier Président. En tout cas, ces trois lieux, si l'écrit ne les mentionne pas, l'écrit s'est limité à dire les différents hôpitaux, mais l'oralité l'a précisé, il s'agit de l'hôpital Île Africa, du CBK Ndosho, ainsi que de l'hôpital militaire de référence de Goma. CBK Ndosho. CBK Ndosho. Île Africa, ainsi que et il n'y a pas de problème, monsieur le président, on va aller verser à votre frère. Au nom du parti civil, lequel parti civil continue à pleurer leur mort jusqu'aujourd'hui. Ce que je voulais dire, Monsieur le Premier Président, c'est que nous avions tous suivi les communiqués officiels. Le gouvernement congolais reconnaissant qu'il y a eu des morts et a promis de prendre en charge les obsèques et tout ce qui y afféra. C'est-à-dire, Monsieur le Premier Président, faisons cela, Monsieur le Premier Président, nous pensons que vous n'allez pas violer la loi. Surtout que l'État congolais a d'avance accepté de prendre en charge les obsèques. Nous avons dit, Monsieur le Premier Président, et nous allons verser ces communiqués. Effectivement, Monsieur le Président, il a accepté de prendre en charge. C'est pourquoi nous voulons, dans votre décision, que vous puissiez ordonner à ce que l'État congolais puisse prendre en charge par rapport à ce que lui a dit et de manière conservatoire, nous avons dit. Monsieur le Premier Président, c'est effectivement à cause de ces larmes que nous nous sentons de réagir maintenant, là, Monsieur le Premier Président. Et je voulais peut-être proposer ou faire une demande à Logistecourt pour effectivement
assouvir la soif de la partie prévenue. Au moment où la Cour va se prononcer en ce qui concerne l'enterrement de ceux-là que nous avons perdu, si ça sera possible à ce que la Cour puisse, dans le même acte ou dans le même arrêt ou la même décision, puisse donner évidemment aussi mission aux médecins de l'hôpital militaire ou de l'hôpital où les corps sont gardés, de pouvoir spécifier si ces gens sont morts de quoi. Alors, ça sera pour la partie... Voilà, ce qui fait qu'elle... Tout à fait. Voilà. J'espère bien que la partie défense a saisi avec nous la pertinence de l'intervention de Logiste Cour en ce qui concerne ce point, parce que nous étions en train de réagir à la requête que cette partie a formulée devant Logiste Cour, nous avons dit. Centres médicaux qui ont reçu ce corps ont procédé à des expertises, consulté les dossiers. On vous dit blessures post-balistiques, tout ça, tout ça. Il y en a. Pour apaiser mon allié objectif qui réclame l'établissement de ce de quel autre service. Le médecin, il en va des choix, il ne faut pas forcer une porte qui est ouverte. Un corps identifié. Il y a bien certificat de décès, notamment ce certificat vous dira la cause du décès. Il y en a. À demander à la Cour, c'est tout à fait normal. Le problème peut se poser peut-être pour les corps non identifiés. Mais alors, le médecin dit qu'il y a des listes ici avec des codifications. Il y en a, vérifiez, compulsez les dossiers au greffe. Nous plairons nos morts, nous disons qu'il y a une situation d'urgence sanitaire. Au lieu d'évoluer, nous avons l'impression de tourner en rond l'État congolais prévisionnel. Mais nous l'avons dit, ordonné, compte tenu de l'urgence sanitaire, que toutes les personnes décédées, à la suite de faits sous jugement, soient ensevelies et inhumées, décemment, sans distinction des cultes ni des sectes. Qui peut faire ça sinon l'État? Apaisons-nous. Nous avons dit sur eux. La Cour, merci, monsieur l'auditeur. Le débat reste ouvert quand, parce que pour la défense, mort il y a eu, par balle il y a eu. Mais type 2, non, par balle, mais pour quel type d'arme? Donc, le débat reste ouvert. Ou bien, enfin, ne faites pas comme ça, il ne faut pas acter, monsieur le greffier, mais je ne vais pas le dire. On va évoluer. Ne faites pas comme certaines tribus, il ne faut pas acter. Le débat. Votre Honneur,
Peut-être on voulait réagir par rapport au débat que la Cour venait de dire que les débats sont ouverts sur l'expertise. Ah oui. Oh. Non. Nous sommes... Ah, okay. Ah oui, non pas. Non, nous on pensait que quand même aujourd'hui on pouvait même vider cette question-là parce que c'est une question, la question par rapport à l'organe de la loi a déjà dit, question par rapport à l'expertise. Nous on n'en a plus besoin. Et on n'en a pas. On demande qu'on enterre les nôtres parce que les esprits sont à l'air. Ah. Non, on a suivi de tout. Non, nous, la question, on pensait que la Cour, on a attendu que la Cour voulait ouvrir un débat par rapport à l'expertise qualité des arbres. Et c'est là où nous disons que ce débat-là n'aura pas de raison d'être parce qu'il est, des évidences que les militaires ont tué et nous demandons, et nous sommes d'avis avec l'organe de la loi que nous... Vraiment, nous embrassons les idées, les propositions, la requête par rapport à l'expertise. Vraiment, nous, on n'en a plus besoin parce qu'on sait de quoi les nôtres étaient morts. Et par qui? Et on peut même l'identifier même par les doigts. Si c'est encore. Alors, avant de clore les débats sur cette requête, j'ordonne la descente sur le lieu le plus proche. Apparemment, le médecin n'a pas le problème. Non, demain. Ah. Demain, la Cour va descendre sur le lieu. L'un des lieux qui conserve les corps. Vous vous prévenez, le moins, trois masques. Oui, c'est ça. Trois masques. Bien.